Bonjour le France. Je m'appelle George W. Bush. You know, je suis le 43e président des États-Unis d'Amérique. Mon pays, les États-Unis de l'Amérique, se bâtit sur le plus gros génocide de l'histoire du monde, le massacre des Indiens de l'Amérique. C'est vrai. Après, nous faisons la deuxième, la génocide du monde. Esclavage pour le noir. Nigger, nigger, nigger. Nous sommes le seul pays dans le monde qui a jeté le bombe atomique sur des civils. Sushiman. Nous sommes le pays de la mensonge. Toujours nous mentir. J'ai été élu. Fucking language. J'ai été élu en trafiquant le vote électronique. Avant, j'ai pas élu. Ah, j'ai élu. J'ai montré à Sarkozy comment faire. Nous avons organisé l'attentat de le 11 septembre. Jean-Marie Bigard a raison. Pour justifier dans le monde le pétrole, c'est pour nous, on prend la somme. Nous faisons les millions de civils morts dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes la merde. Et le drapeau des États-Unis aujourd'hui, le torche-cul dans le monde. Mais non! Non, messieurs de l'industrie de l'armement, non. Moi, président des États-Unis, je ne vais pas au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire que l'Irak a l'arme de la destruction massive. C'est nous qui avons les armes de la destruction massive. Tu es président, Domenion. Tu les niques. Le monde W5Q, tu les niques. La famille, elle a besoin de toi, W. Si on t'a mis président, c'est pas pour pleurnicher, W. Mais tu es là pour faire rêver les gens, W. Tu dois les. Mais tu leur parles de liberté, de la démocratie. Mais plus c'est gros, plus ça marche. Regarde, il y en a encore qui croient qu'on est allé sur la Lune. Hein? On a tourné ça à Oran chez Bénichou. Bon. Tu la veux, ta piscine à vagues dans ton ranch? Va falloir se sortir les doigts du cul, W. Je peux pas t'aider. Et tiens, Condoleezza, allez me chercher des cacahuètes, s'il vous plaît. Et vous les mangez pas, hein?
W, c'est quoi le business? On est des fabricants d'armes, W. Le reste, c'est la mandoline. Eh? S'il n'y a pas de guerre, on fait comment? On va à pointer au chômage. On en fabrique, W. C'est ça, la business. Mettez-les ici, les pistaches, Condoleezza. Merci. Eh? Tiens, asseyez-vous, vous allez écouter ce qu'on dit. Eh? Par terre, par terre. Eh? Tu es gentille, Condoleezza. Eh? Toi, tu es bien brave. Tu es une gentille africaine. Eh? Ils sont bien lisses, ces cheveux, pour une noire, non? Tu veux faire plus blanche? Eh? Tu triches? C'est bien. Tu es une bonne américaine. Ou alors, on va envoyer un noir au Conseil de sécurité. Ça fait plus gentil, un noir. Ça, c'est une idée. Faudra mettre un noir président un jour. On pourra continuer à enculer le monde tout en souplesse. Hein? On n'a qu'à envoyer l'autre, Powell. Monica, vous me faites monter Powell, s'il vous plaît. C'est un militaire, il va obéir. Mais je sais qu'on n'a pas trouvé. On va lui dire qu'on a trouvé des armes. Entrez! Ah, voilà, Claudine, ça va? Colline, j'ai dit comment? Ça va, capitaine? Général? Général Powell, c'est bien du nom. Tu dois en avoir des médailles, toi, hein? Tu en veux d'autres? Je peux t'en donner, hein? Tu l'as, celle avec la tête de Mickey? C'est maman qui doit être fière de toi, hein, Colline? Voilà. Elle est où, maman? Elle est en Afrique, elle est où? En Louisiane? Oui, c'est l'Afrique. Bon, Colline, tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et... Oh, calme-toi. Dis donc, oh, je sais, on n'a pas trouvé d'armes. Tu la veux, celle-là? T'as vu, elle est partie, tu l'as pas vue. Bon. Tu veux des médailles, Colline, ou t'en veux pas? Ah, garde à vous, garde à vous. Il est con, il est merveilleux. Alors, tu vas acheter une petite fiole en pharmacie. Et tu vas mettre du jus de pomme dedans. Et tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et devant le monde entier, tu vas dire c'est l'arme de destruction massive. On l'a trouvée dans la poche de Saddam. Tu fais pas tomber par terre. Parce que si tu fais tomber, ils vont dire, dis donc, il est pas massif, sa destruction. Hein? Allez, vas-y, et quand tu reviens, je te donne la médaille. Hein? Il a compris ce que j'ai dit ou pas? Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique, par la voix de leur représentant, le général Colin Powell, vont prendre la parole afin de convaincre les plus sceptiques d'entre nous que l'Irak possède bien des armes de destruction massive. Monsieur Powell, c'est à vous. Non mais ça va, oui? Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? On n'a pas la honte, hein? Tu fais... Oh! Oh, ça suffit! C'est un personnage que je joue! Oui, bien sûr! Je suis un peu trop rentré dans le personnage. Ouais, c'est Laisse-moi ça. Laisse-moi le temps d'en ressortir. Mmh. Eh ben, en attendant, ton personnage, il a oublié son texte, parce que tu devais dire « J'ai la preuve irréfutable, patati patata ». Oui, mais je préférais le faire comme ça. Je veux dire, c'est moins humiliant de tu vois, le faire parler, c'était terrible. Puis c'est une marionnette, c'est un singe, et puis ça fait rire les gens. Oh, tu parles. La vérité, c'est pas de savoir si c'est un singe ou une marionnette. Hein. La vérité, c'est que c'est un Américain et que ça, c'est ton nouveau cheval de bataille. Non, pas d'amalgame. Évidemment. Attention. Bien sûr, mais bien sûr que si tu le fais, l'amalgame. Non. Je sais, tu n'aimes pas les Américains. Non, seulement... pas les Américains, non. Parce que quoi? Qu'est-ce qu'il y a seulement quoi? Bah oui, seulement on leur doit tous deux, trois petites choses ici, que tu le veuilles ou non. Ah bon, j'ai de la monnaie, dis-moi combien je dois. Mais je dois rien du tout aux Américains, si, enfin. Mais si, je vais t'expliquer. Hein, on leur doit par exemple le fait de ne pas parler allemand en France de nos jours. Oh, oh bah, excuse. Mais moi, mon grand-père parlait quoi allemand? Excuse-moi. Oui. Et il s'en est très bien sorti comme ça. Et de deux, que tu le veuilles aussi. Et puis je vais te dire que c'est l'occupation française qui a été difficile en Cameroun. Si tu veux que je te dise ce que je pense. Oui, oui.
Et je vais t'en dire une autre aussi, qui est exacte, que tu le veuilles ou non, eh ben c'est les Américains qui nous protègent du terrorisme. Oh, voilà. Y en a beaucoup qui pensent que c'est eux qui l'organisent. Oh. Regarde, écoute ça. Oh. T'entends? Il n'y a pas que des frisés dans l'eau, crois-moi. Oui, tu parles. Les gens commencent à se réveiller, enfin. Mais non, c'est n'importe quoi. C'est Al Capone, George Bush. Non, je peux pas écouter ça et cautionner ça. Attends, mais comment ça? Les Américains, je sais pas, les États-Unis, c'est une démocratie, c'est comme en France, hein, on peut s'exprimer librement. Oh, la liberté d'expression, pas à moi. 22 procès pour un sketch. C'est ça la liberté d'expression. La liberté d'expression. Bon, d'accord. C'est vrai que sur ce coup-là, j'ai peut-être mal choisi mon exemple. Oh, c'est vrai qu'il y a un sujet en particulier sur lequel on peut pas on trop... On le connaît tous. Mathus et Bouchkozy. Voilà. Admettons. Terminé. Alors, je vais te donner un autre exemple des bienfaits des démocraties où là, tu ne pourras pas me contredire. Quoi? Écoute ça. Pour nous, les femmes... Oh, ouais, ah bah c'est quand même plus agréable. D'accord. Bah oui, parce qu'on peut se balader dans la rue sans se faire cracher dessus ou sans se faire lapider. Ça c'est vrai ou c'est pas vrai? La lapidation. Oui. Ah voilà, dans le monde musulman, les femmes se font lapider tous les matins. Allons-y. Avant de partir au boulot, tiens chérie, une caillasse, j'y vais. Non mais attends. Mais tu vois pas que c'est de la propagande américaine pour aller leur piquer le pétrole. Mais alors toi, tu vois rien. Mais c'est dans les médias, je regrette. Pourquoi? Regarde, les gens se réveillent. Les gens sont conscients, enfin. Tu crois quoi, toi? Alors tu crois quoi, les Américains? Alors voilà, que la femme occidentale, ce sera un modèle pour le reste de l'espèce humaine. Non, voilà. Je ne considère pas comme un modèle, mais enfin, ça va plutôt pas mal. Hein. Oh, non, pas tellement. Ah, et déjà, cette couleur de cheveux, c'est ça qui choque les gens. Ah. Là, le foie s'exprime, il y a quelque chose. Ouais. Non, mais la femme occidentale, mais attends, et les consommations d'antidépresseurs, t'as entendu? Le suicide, la chirurgie esthétique, la peur de vieillir, tu crois que c'est un progrès, ça? Hein? Mais de quoi tu parles? Une mémé de 80 ans avec des obus de 45 comme ça, qui accouche de sextuplé, c'est la direction? Enfin, t'es en train de tout mélanger, là, d'aller dans tous les sens. Ouais, et puis quoi, la chirurgie esthétique? Je vois pas ce qu'il y a de mal à faire un petit peu de chirurgie quand on veut plaire à son homme. Oh, avec un zodiaque à la place de la bouche. Oh, ouais. Sujet terminé, sketch suivant.